Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinex et aujourd'hui on se retrouve dans l'oracle des âges. Nous avec les petits gorons, nous allons, nous ça allons... fait plaisir. Non, nous avons déjà été vus ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, y a plein de... Enfin là, ouais. Alors, comment dire? Que non, il ne faut pas aller là. Ouais, non, mais je sais, mais je revisite les endroits comme ça, ça me fait plaisir. Attends, non. Attends, oui, comme tu dis, il y avait un petit problème à résoudre avec la cascade de la sirène finalement. Ouais, mais ça, t'inquiète, on... De toute façon, c'est pas encore maintenant. Donc on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Là... Parce que j'imagine que mon boomerang n'était pas ouais, non, obligatoire. Mais le boomerang n'est pas... Ah, mais j'ai gagné une viande. Je dois la donner à un oui, gars voilà, qui veut voilà, une viande. Oui, voilà, ça, tu dois le faire. Mais il me semblait qu'il y avait autre chose qu'on devait faire. Oui, mais... on doit trouver une boisson énergisante, mais je pense que ça va être une espèce de quête des échanges, là, non? Alors, oui. C'est qui voulait la viande? C'est un gars en bas, c'est pas là, c'est faut redescendre, enfin faut... C'est bah, un des là. Deux. C'est le deuxième, c'est celui de droite, celui de gauche, c'est le fait. Deuxième. C'était lui, le gars juste devant la porte. Salut! Mais non, pas lui! Incroyable, je te vois donner un goron à manger infamé. Là. Depuis toujours, mes ancêtres, ils aiment manger. Mais ils me disent ce que je dois faire, en fait! Oui, oui, le Vert. Chariot! Oui, oui, Vert, il te dit... Mais Vert, il te dit ton futur, en fait. Ah. Contrairement à ce que dirait Lucina, the future is written. Je ne peux pas quitter cet endroit, mais j'y suis. Hein. Pourrais-tu me donner à manger, s'il te plaît? Wouah, un steak de roc. Allez, sois sympa, donne-moi. Je te l'échange contre ce vase goron. Ok. Merci, c'est super, comme promis, tiens. J'imagine que le vase goron, faut que je le donne à son ancêtre. Qui le donne de génération en génération. Exactement. Quel talent. Est-ce qu'il va me dire ça? Voir ta destinée. Trigoron, montre-moi tout. Incroyable. Je te vois dans le passé. Tu donnes un vase à un goron qui cherche une chose. Mais qu'est-ce qu'il cherche au long? On ne sait pas. Non. Si, je t'assure. Non. Si, je t'assure. Mais non, mais enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça. Appuie sur B. Oui. Comme ça, tu... Salut. Protéger Roule Roche est ma raison de vivre, mais il faut que quelqu'un puisse enseigner à mes descendants le respect de la vie. Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener un truc rare que je donnerais en héritage. C'est terrible. Ce vase. Mais c'est un vase goron vachement beau. Donne-moi ce vase, top. Je te l'échange contre de la couronnade. Ah ouais. Alors c'est super comme promis, tiens. Obtenez une couronnade. Je vais prendre grand soin de ce vase. Mais par contre, ouais, j'allais dire, par contre, reste dans le passé, parce que je suis sûr qu'on n'a pas tout fait dans le passé qu'il y a besoin de faire. Est-ce que t'es gourou, montre-moi tout. Oh mon dieu, je te vois dans un avenir éloigné, tu donnes une boisson énergétique à un gourou, mais je suis sûr qu'il y a autre chose à faire dans le passé, là. C'est... Mais oui, on n'a pas fait le mini-jeu de la danse, Ah ouais, mais là, tu peux utiliser ton grappin, je crois, sur les plantes, en fait. Oh. J'ai échangé de place avec une herbe. Incroyable. Ah, c'est juste sans rubis. Tout ça pour ça, je ne crois pas. Oui. Attends, il y a des trucs dans le... Attends, il y a des cailloux là-haut. Il là. Y a des trucs dans les cailloux, peut-être. Des cailloux? Ouais, à droite. Et des pierres. Ah. Non. Pas la harpe dans mes mains. Faut jamais avoir la harpe dans les mains. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on monte. On peut y aller si tu veux. Ça a l'air de te tenir ça à me ferait très plaisir. Attends, je me trompe de champ, là. Non, mais désolé, là, j'étais un peu perturbé, je t'avoue. Sur le coup, j'étais en mode... Mais il me semblait qu'on pouvait aller là-haut et qu'il fallait aller assez tard et tout. Non, mais en plus, c'est terrible, parce que... Faut vraiment penser à... Mais vous êtes sérieux? Bonjour. Oh, c'est trop louche, ici. Il faut toujours penser à soulever les cailloux. Ah, oh, c'était le rubis vert, yes! Bravo, t'as gagné la graine. Alors là, par contre, je crois qu'il faut le faire. Je pense que c'est un... Il faut le faire. C'est un faux jeu, ça! Il faut le faire. Après la mode, dans le village Lina, on offre du jus de lave à celui qui fait le meilleur score. Ah, ça me dit quelque chose, cette histoire de jus de lave. Il y a un gars qui veut du jus de lave, mais je sais plus qui. Mais il faut le faire, du coup. Faut gagner 100 points, je m'en rappelle. Ça, par contre, je m'en rappelle, il faut gagner 100 points. C'est trop dur de se préparer. Ah non, mais ce mini-jeu des enfers... J'ai un temps de réaction à la ramasse. Il me faudrait une citronnade, là, de goron. Il me faudrait une citronnade. Hop, j'ai tué une fée des ténèbres. Hop. Un imp.
Oh, bien joué. Dommage. Ah, j'avoue. Oh. Non. Ah, dommage. Le temps de réaction. Oh, mais c'est terrible parce que... Oh, purée, lui, il est bien. Mais non, mais pourquoi je suis si lent? J'allais dire... Honnêtement, tu vois... Oh, ça, c'est beau. Si c'est la fin, c'est génial. Ah, c'est pas fini, mince. Oh là là là, quel talent. C'est fini, là, c'est bon. On en a fait trop, là. Ah, c'est bon, on en a trop fait, très bien. Incroyable, tu as gagné le jus de lave. Merci, parce que j'avais pas envie de revenir. Vous avez obtenu le jus de lave. Oh, ça a l'air incroyable. Non, mais en fait... Alors, d'ailleurs, il y a un autre truc que je sais... Oh, je peux dire non. Ouais, tu peux dire non. En fait, tu peux aussi gagner le boomerang ici, si tu aimes bien ce mini-jeu. Mais il faut faire 400 points. D'accord. Du coup, je ne recommande pas de vouloir gagner le boomerang ici, en fait. Bah après, ça dépend. Si tu fais 400 points, t'es sûr de le gagner, comparé à refaire inlassablement le mini-jeu du chariot. Alors, moi, je suis plus team refaire inlassablement le mini-jeu du chariot, ceci dit. Mais... On a déjà des graines mystères, mais j'imagine que c'est bien. Ouais, mais maintenant, t'as débloqué un point de téléport ici. La meilleure défense, c'est l'attaque. Le dernier debout gagne. Veux-tu connaître le secret de la survie? Non, merci. Quoi? Mais tu sais pas ce que la vie réserve, gars! Mais t'inquiète, on verra plus tard. Je vais soulager les fatigues. En plus, t'es à un téléport, donc on va te voir super vite, t'inquiète. Oh, allez, pardon. Bientôt, bientôt. Oh, j'ai envie de sauter, mais je pense que c'est la pire idée. Non, sinon, je peux sauter, je crois. Oui. Ça t'emmène juste en bas, voilà. Ah ouais... Par contre, c'est qui voulait du jus de lave déjà là? Attends, je réfléchis, mais il y a déjà, on va aller voir le gars des chariots là. Ouais, tu peux. Moi aussi. Mais peut-être lui après, non? J'avoue, bonjour. L'ancêtre est plein d'énergie, je ne peux pas le suivre. Je vais planter des choupetteurs. Ah non, c'est pas lui, ok. Mais ça me dit quelque chose cette histoire de jus de lave. En fait, c'était un panneau qui disait. Ah, c'est peut-être lui alors. J'avoue, salut. Je le répète à personne, mais je suis un ami du Goron Gracieux, si c'est vrai. Qu'est-ce que le Goron Gracieux a? Une sorte de truc en forme de sirène. Bof, je me souviens. Oh, attends, il faut que je récupère ce truc en sirène du Goron Gracieux, en fait. Alors, allons faire le mini-jeu, préparons une pelle, même s'il va m'en donner une, bien sûr. Il a enterré quelque chose. Big Bang Kamehameha. Ah, j'ai travaillé si dur ces derniers temps, j'ai pas envie de jouer, j'ai enterré un prix aussi. Oh bon, cette couronnade. Le gorgé, c'est reparti. Je peux bien m'en donner. Oui. Je suis bien réveillé, merci. Je vais ouvrir une boutique. Ah bah génial. La première partie Ah, il offerte. Est trop fort, veux-tu essayer? Ah, allez, carrément. Bien sûr, veux-tu écouter les règles? Allez, on est gentil. Quand la partie commence, esquive les bombes qui tombent. Voyons voir combien de temps peut rester. Tu vas gagner un prix génial si tu restes jusqu'au bout. Mais si tu te fais toucher, tu échoues. Ok. Cette fois, le prix sera ceci. Oh, c'est ce qu'on veut. T'es prêt? Attends, est-ce que je peux changer d'objet? Ah, voilà. Ouais, j'ai enterré un truc, hein, qui l'a dit. Mais... Okay. C'est abusé, les graines Pégase dans ce mini-jeu. Il a pas dit que j'avais pas le droit de... Oh, purée, par contre, quel enfer! C'est terminé. Il a pas dit que j'avais pas le droit de... J'ai bien peur que ce ne soit fini. Incroyable! Incroyable, voilà ton prix. Vous obtenez la vieille clé, sirène. Encore un essai pour dire oui. Non, je pense que ça va aller. Non, ça se trouve, la lave, c'est quelqu'un d'autre qui la veut. Pas d'ici, genre dans l'autre pays Goron. Ouais, non, mais je sais plus. Attends, ah, non. Et utilisez pas tous mes graines, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord, le Big Bang. Bon, ami du Goron Gracieux. Non, mais c'est lui. Salut. Je le répète à personne, mais je suis un ami du Goron Gracieux si c'est vrai. Eh, hey, cette clé ressemble à la clé sirène du Goron Gracieux. Tu veux la clé du Goron Gracieux? Je ne sais pas si ça va marcher, mais si tu me donnes ton jus de lave, je peux te présenter au Goron Gracieux. Alors, je peux avoir ton jus de lave, Goron Gracieux? Ok, porte cette lettre d'introduction au Goron Gracieux. Obtenez une lettre d'introduction pour le Goron Gracieux. Si tu la montres au Goron Gracieux, il comprendra. Il faut répéter encore Goron Gracieux un peu, parce qu'au cas où on n'est pas sûr d'avoir compris. On peut descendre vite fait là. J'avoue, on peut descendre par là. Ouais, non, on peut pas. Ça
Salut Goron gracieux. Hein? C'est une lettre d'introduction de mon frère. Qu'est-ce que... Bon, donne-moi ta... C'était pas ton ami? C'est mon frère Goron. Comment... On est tous frères. Ouais, c'est vrai. C'est... Comment ça est-il que je l'avais? Bon, ah, bon, je peux rien refuser à mon frère. Mais je peux pas te donner ça comme ça. Tu vas danser pour l'avoir. Si tu peux copier mes pas avec le pas. Donc c'était pour ça que je pensais qu'il fallait danser deux fois, du coup. Okay. Yes! Oh non, tant que t'es en rythme, c'est bien, suis-je un bon danseur? Mais quel enfer! Oh bien! Eh ben c'est bon, maintenant t'as le truc. Lui, il a pas voulu. Comme on fait, t'as recommandé, je vais faire comme pro. Merci. Ah oui, elle est d'une autre couleur. Reviens si tu as besoin d'une autre leçon. Salut. Voilà, c'est bon, tu as toutes les clés qui sont en main. Je tiens à dire que j'en ai raté un parce que t'as parlé pendant, j'ai pas entendu les sons. Je plaisante. Tout de suite, voilà, Sacha a des excuses. Super, du coup, maintenant que nous avons toutes les clés en main, j'imagine qu'on va pouvoir aller s'amuser. Mais passé en premier, il a dit. C'est vrai, machin. Je ouais, il avait dit moi, ça, j'y le. Vais, il avait dit ça, le hibou, en mode. Oh, le son, il a l'air trop bien. Enfin, la musique, le thème. Le son. Ah, oh, le son, là. Ah, ça fait plaisir, là. Des petites musiques en 8 bits, là, ça fait plaisir. Par contre, encore une fois. On a que 10 bombes, je suis. Non, mais en fait, c'est effectivement. On pouvait déjà avoir plus de bombes, en fait. Oh, on a déjà plus de vie. Du coup, on aurait pu avoir plus de bombes, mais... Mais non, j'ai fait tout ça pour une graine gacha. Je suis outré. Mais on aurait pu, voilà. Mais malheureusement, on espère revenir plus tard. Hein. Oui, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va me foncer dessus. C'est une bougie. Attends, bougie. Ah, il va me taper. Oh, je pensais avoir les deux en même temps. Oh là 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 là. Je veux mourir ou bien? Eh, mais je suis mort là. Hein. Non, il te reste un petit point de vie. Bon bah là, il t'a explosé dessus. Veuillez vous prendre ma graine brasier, s'il vous plaît. Aïe. Putain, mais ils font super mal! Non, j'en veux pas beaucoup de vie. Oh, mais ils enchaînent bien quand même, tu vois. Tout ça parce que Maple va nous donner sa potion rouge! C'est clair, hein. Non, mais Maple, elle abuse. Hein. Oula, qu'est-ce qu'il a lui? Oh. Bon, bah. On ne saura pas ce qu'il a, mais. On part un truc où il va falloir aller méga vite là. À tous les coups. On va tenter. Ce serait gentil que ce soit pas obligatoire d'aller vite. Ah mince, il y a un ordre en fait. Bon, ça va du coup, tu vois. Faut que j'arrive à trouver comment. Comment avoir le deuxième. Donc déjà. On l'a fait celui du milieu. Non, tu l'as pas fait. Celui-là ? Ah, ok. Peut-être que comme ça. Oh yeah! Oh là, quel talent! Ah oh, dommage. Ah oh, tu sais, c'est toujours comme ça. Hein. Je
s'est passé quelque chose, mais quoi? C'est vrai ça, je me demande. Par contre, j'ai pas visité à gauche, j'espère que je vais pas le regretter. Oh bah non, point hibou, je peux pas le regretter. Attends quand même, là, t'as débloqué le truc le plus important du jeu. Prends garde à l'eau profonde. Ouais, mais en gros, faut pas que je nage là-dedans. Tu as résolu une énigme juste pour que je t'indique de faire attention. Non, c'est bon, je suis bien. Ah, tu peux les casser maintenant. Ouais, c'est vrai. Aussi. C'est vrai, et peut-être même que je peux battre eux. Ouais. Oh, ils m'ont rien donné. Maintenant qu'on a le meilleur objet du jeu. Je vois, c'est Donjon de la Sirène parce que c'est nous la sirène en fait. Oh là là, très belle esquive là! Mm-hmm. Oh, y'a Lou qui va t'attendre là. Vous avez pas envie de me donner des cœurs par hasard? Ni de fées? Oh, c'est pas eux qui donnent des fées là. Ah oui, non, c'est les boules électriques. Oh, il va pas très loin, mon boomerang. Ah, ça va, les bougies explosives. Ah, ce n'est qu'un boomerang de niveau 1. Bon, qui n'a pas de niveau dans ce jeu. Tu te rends compte qu'on a fait tout ce chemin sur le côté pour rien? Non, t'as gagné une carte et un super indice qui t'a dit fais attention aux eaux profondes. On est pas obligé d'y aller. Est-ce que vous pouvez me donner un cœur, s'il vous plaît? Non. Ça va me sniper. Ah, lui, il va donner une tête, une fée. Ah non, c'est pas lui, mince. J'ai besoin d'un cœur. Putain, mais ils sont radins. Mais ils sont radins. Mais c'est un truc de fou. Ils donnent rien. Bah, après, tu peux farmer les pots, là. Ouais, je pense. On va faire ça pour le bien de nos oreilles. Bon, chauve-souris, tu es gentil, bien sûr. Par contre, lui, là, il va être infernal encore. Ah, il est parti, ok. Salut. Il va revenir. Ouais. On va rester sur nos gardes. Ne me suis pas, s'il te plaît. Ok, ça va, il est parti. Ah, il n'y avait pas d'autres chauves-souris, je croyais qu'il y en avait plus qu'une. Mais j'en ai battu plusieurs tout à l'heure. Ou peut-être une autre. Ok. Oh là là. Oh là là, les lanciers là, ils sont là. Oh les lanciers. Ça commence à se battre avec des techniques de l'âge. Ah, hein. Mais non, mais là, j'avoue que. Ah, mais ils font la même chose, tu vois. Tu peux te défendre en disant ouais, mais ils font pareil. Donc... Y'a plus rien. Allez, salut. C'est oui, comme j'ai pas assez de vie, je l'ai fait. Ah non, tu regaines tout, ok. Mais oui. Enfin, tout. Façon de parler. Je prends un raccourci. Regarde, hop. Comme ça, ça va mieux. Et on peut continuer notre chemin par là. Il y avait un autre chemin. Il y avait un chemin à gauche, ouais. On va y aller avant. Comme ça, je regretterai d'avoir utilisé ma clé. Je crois que c'est le donjon de la radine. Oui. Et en plus, ils auraient donné plein de cœurs, en plus, je crois. Oh. Ils sont plutôt du genre, eux, tu vois. C'est peut-être le donjon de la radinerie, mais eux... Bon, là, ils sont radins, quand même. Il y en a qu'un seul qui a donné un truc, là, j'avoue. Ah, finalement, un deux, quand même. Bon, allez. Ah, c'est pour la boussole. Mais, et deux cœurs. Au moins, comme ça, on aura la paix un instant. Mais personne ne donne d'objet, hein. C'est incroyable. Bah, c'est peut-être fait exprès pour dire c'est. Il s'amuse bien, lui, je crois. C'est pour dire que c'est un donjon difficile, tu vois. Ouah, ça aurait été le seul pot qui nous donne un truc. N'oublions pas que ceci existe. Je peux en poser qu'un, j'imagine. Oui, je peux en poser qu'un. Qu'on peut pousser un bloc. En fait, il fallait pousser les deux. Est-ce que je peux... Mm-hmm. Mm-hmm.
Mais bon, heureusement, on est plein d'astuces. Donc déjà, on va faire ça, et ensuite, on fait ça. Waouh, quel talent! Je n'aime pas trop ça, c'est pas symétrique. Je vois pas le problème, c'est symétrique, justement. Les deux boutons sont pressés, je ne vois pas le problème. Ça faisait longtemps que tu les avais pas vus. C'est vrai. Enfin, je crois pas qu'on les ait vus, en fait, tout court, en jeu, en fait, actuellement. C'est bien la preuve que Oracle des Saisons, c'est le deuxième jeu, en fait. Parce que les mains, c'est difficile à battre, normalement. Bon, je sais pas. Tenez, prenez mes pauvres 10 bombes, là. Qu'il faudra réutiliser sur le chemin du retour. Et là, c'est mort. Ça n'existe pas dans ce jeu. Il y a peut-être un trou. Ce ouais. Serait embêtant. Il y en a peut-être un dans les nombreuses fissures. Mais non, en fait, il faut tout casser. J'ai plus de bombes après. Peut-être tout exploser, effectivement. Non, non, c'est pour de vrai. Pour une fois. Mais j'ai pas de clé. C'est peut-être pas grave. Ah non, si, c'est grave. Peut-être qu'il y a une clé ici. Mais non, la fée, reviens. Merci. J'avoue, j'ai pas été où. Bien, et bien, puisque le mystère reste entier, rendez-vous dans le futur pour... dans le futur du jeu et dans le futur de la... Rendez-vous dans le futur pour la suite. Où on ira dans le donjon du futur pour pouvoir résoudre tous les mystères, bien sûr. Au revoir tout le monde. Salut.